Salut salut! Aujourd'hui j'ai démarré Garry's Mod, du coup je suis tombé sur un gars, on a fait une petite gamme ensemble. Il était cool, c'était franchement sympa. Et je vous laisse voir la gamme! Ciao tout le monde! Donc on vient juste d'arriver en ville là. J'ai rencontré un vendeur d'armes, il a l'air plutôt cool. Je vais voir ce qu'il veut faire avec moi, notre cher ami. Tu fais quoi là en fait là? Printer. Tu veux faire du printer? Je vais acheter un printer. Vas-y, moi je pense que je peux en acheter. Tu peux toi? Je pense, je vais essayer, je suis en citoyen, je sais pas. Hors printer. Allez, c'est parti. Ah non, je peux pas, non. Merde. Je sais pas, c'est peut-être parce que justement, en citoyen, tu peux pas acheter et en vendeur d'armes non plus. Ouais, mais je pense que ça doit être en mafieux alors encore. Peut-être, soit en mafieux, soit en gangster, je pense. Allez, vas-y, je vais me mettre en mafieux. Bah, allez, c'est parti. On s'est mis mafieux, les gars. Je vais essayer de rejoindre mon pote. Putain, merde. Par contre, je connais pas la map, franchement. Là, je vous dis, je débarque juste dans la ville. Je connais pas du tout. Oh là là, oh le bordel! L'autre il roule carrément comme ça et tout. Vas-y, je vais essayer de monter. On va essayer de le rejoindre. Là, vas-y, on y va. Tu peux. Ah ouais, tu t'es mis en gangster. Je me suis mis en mafieux moi. Vas-y, on va monter chez toi. De quoi? Tu vas ouvrir, c'est quoi le délire? Fais voir. Nickel. Oh le bordel! L'ascenseur il. Ah ouais, grave, l'ascenseur il monte sans que les portes se referment. Normal, normal. Vas-y, je vais voir si je peux acheter un printer là. Bon, bah j'achète l'or direct. Hein. Ouais, yes, c'est bon, ça marche. Impeccable. Ah, faudrait essayer de les planquer, tu vois. Ouais, il est pas très bien planqué le mien, mais bon. Disons que ça fera l'affaire. Tac, je vais acheter un ventilateur. Ok, ça, impeccable. Oh, bah ça va, ça monte, tranquille. Ça fait de la maille. Je vais voir, qu'est-ce qu'on peut acheter? Je vais mettre une caméra. Je vais installer la caméra juste par là. Je crois pas qu'elle filme dans le bon sens par contre. Impeccable. Ça c'est cool. Je vais prendre une télé. Je vais la mettre là. Caméra. Yes. Impeccable. Eh, tu sais quoi? Je vais aller mettre une deuxième caméra en bas carrément. J'arrive. Putain, par contre c'est le bordel à chaque fois que tu rentres dans l'ascenseur. Je vais la mettre là. Je vais voir ce que ça donne si j'achète une télé. Caméra 2. Je vais la bouger un petit peu. Là c'est parfait. C'est impeccable. Allez vas-y. Vas-y, rentre là-dedans. Allez, vas-y, c'est parti. Je t'ai rechargé ton printer, hein, cher ami. Hein. Yes, impeccable. Ça va, c'est cool. On va la mettre juste à côté. Voilà, impeccable. Comme ça, on voit s'il y a quelqu'un qui arrive en bas et s'il y a quelqu'un qui arrive dans l'ascenseur. Tu vois, là, j'ai couvert les deux zones. Là, j'ai couvert la zone en bas au niveau de l'entrée et la zone au niveau de l'ascenseur, là. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que quand on s'éloigne. Ici, ça n'est plus, on nous entend. De quoi? Bon, ça serait tellement grand. Ouais, par contre. Le véritable ici, c'est génial ici. Oh, ok, d'accord, bon, bah, c'est impeccable alors. Je l'entends pas très bien des fois. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que quand on s'éloigne des télés, vous voyez, on voit plus rien. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter encore un deuxième printer. Tac. Par contre, c'est un petit peu la merde au niveau de ces bureaux là. Je vais essayer de le bouger un petit peu. Merde, je peux pas le bouger. Je vais les mettre plutôt par terre. Je verrai mieux ce qui se passe. Putain, j'en ai déjà un, il commence à être rouge là. Bon, ça va, j'ai 3000 balles là-dedans. Je les prends. Là, je peux vous dire que les gars, on va faire de l'argent en masse. Par contre. Voilà. What? C'est quoi ça? Pourquoi il explosait? En surcharge, t'as oublié de mettre un ventilateur. Mets un ventilateur sur tes trucs. Ah ouais, merde. Ah ouais, putain, fais chier, merde. Putain, j'en ai perdu un du coup. Ah ouais, j'ai zappé le ventilateur, moi. Fais tourner juste un 2 et après t'en rajoutes chaque fois. Je fais, tu vois. Ça évite de perdre énormément. Ouais, si, ouais, t'as raison, ouais. Pour l'instant, je vais tourner à deux, ouais. Clique une fois sur mon nom, là. Tu vois mon nom? Clique une fois. Ouais. Sur le nom. Yes. Impeccable. Eh, tu sais quoi, ce qu'il nous faudrait? C'est des flingues. Faut qu'on aille se chercher une victime, tu vois ce que je veux dire? Histoire de faire un peu plus de thunes. Ouais. Je vais voir s'il y a pas un vendeur d'armes. Vendeur d'armes, ouais, il y en a trois. Ouais, bah alors je regarde les printers et tout ça. T'as assez sur quoi? Ouais, j'ai assez, j'ai 20 000 balles. Je vois trois vendeurs d'armes. Ouais, tu l'appelles, j'en ai. Ouais. Allô? Allô? Ouais, ah, bonjour. Ouais. Bonjour. Vous êtes bien vendeur d'armes? Bonjour, bonjour. Vous êtes bien vendeur d'armes? Ouais. On peut se rejoindre quelque part? On peut se rejoindre quelque part? Devant la mairie, si vous voulez. Devant la mairie, ça marche. J'arrive tout de suite. Allez, ça marche. Ok. Tout de suite. J'avais l'impression de m'entendre en trip dans son téléphone. Allez, vas-y, c'est parti, devant la mairie. Y a juste un problème. Bah, c'est que je sais pas où elle est, la mairie. Ça, c'est la merde. Putain, elle est où la mairie? Où est-ce qu'elle est la mairie ici? Attends, je vais demander. Bonjour. Ah bah elle doit être là la mairie. Bonjour. C'est moi, je vous ai appelé au téléphone. Il y a 5 minutes là. Ah ouais. On peut se voir dans un petit coin tranquille? Vas-y, venez si vous voulez. Venez. Allez-y, rentrez. Impeccable. Il me faudrait deux flingues. Quoi,
comme flingue? Les moins chers, mais ceux qui tabassent bien. Plutôt Python, là, tu veux, non? Python, ça marche. Deux Pythons. Ouais, tu me fais un prix si je t'en prends deux? Vas-y. Ouais, vas-y, tranquille. Impeccable, ça, c'est cool. Et je te les fais à 550, les deux. 550 pour les deux. Vas-y, ça marche. Je te les prends. Vas-y. 550, accepté. C'est à toi, je te passe ça. Ça marche. Bon, bah, au revoir. Au revoir. Attends, je vais... Ah ouais, je peux pas ramasser l'autre, moi. À moins que j'ai un inventaire. Attends. Y a pas d'inventaire? Vas-y, c'est pas grave. Je vais lui dire... C'est quoi, ça? Ah non, c'est rien. Je vais lui dire d'aller chercher son flingue. Il est où? Il est où? Eh, tu sais quoi? Tu peux aller chercher ton flingue en bas. Il est juste par terre dans le hall d'entrée. Parce que si tu veux, je pouvais pas te le ramasser. Vas-y, regarde. Je vais te montrer, viens voir. Ouais, parce que si tu veux, j'ai l'impression que t'as pas d'inventaire, tu vois. Oh, le bordel quand tu rentres dans l'ascenseur. C'est quoi, ça? Y a une clim ou quoi, ici, là? Là, il est là. Il est juste ici. Ah, ça c'est nice. Impeccable. Ça, j'ai pris des pitons. Raison. Vas-y. Vas-y, vas-y. Ok, ça c'est cool. J'ai mis ma troisième. Ouais, je t'entends pas très bien avec l'ascenseur. Ça. Tu peux encore mettre une prise ou pas? Ouais, je peux encore en mettre un, ouais. Je vais en racheter un. Voilà, tac, impeccable. Bon, là, on est pas trop mal au niveau des printers et tout. Ça va, on en a trois chacun. Ça, c'est cool, impeccable. C'est souvent alimentaire, en fait, tes printers. J'ai souvent remis toi. Ah ouais, c'est cool, nickel. En fait, si je te donne tous les printers, je peux encore en acheter normalement, non? Je suis pas sûr de pouvoir obtenir tous les printers. Je crois que tu peux en avoir que 3 ou 4. Il me semble. Si tu parles de 1, là, si tu peux en acheter un. Je vais voir, je vais te dire, ouais. Tac. Non, je peux pas, c'est 3, tu vois. Ah, ok, bah vas-y, on change le nom de la première en partant dans le milieu. Ah ouais, yes, ok. Il me dit que c'est un scanner. Non, franchement, je sais plus ce que c'est les scanners. Je sais plus c'est pour quoi faire. Putain, par contre, les batteries, elles partent vite, quoi. Si tu veux, on va faire un tour en ville, on va chercher une victime. On a deux flingues. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il y a, c'est que les printers, putain, ils se déchargent vite au niveau de la batterie, tu vois. Ils se déchargent beaucoup trop vite, les printers. Ouah, les trucs de fou. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu veux mettre les printers dedans, c'est ça? Un système avec un bouton. Ah ouais, yes. Ouais, ça peut être pas mal, ouais. Putain, il y a un printer qui a explosé. Il faut que tu mets souvent les ventilateurs. Regarde les ventilateurs, il faut toujours les mettre. Ah ouais, putain, merde. Putain, pourtant, j'ai regardé il y a 2 secondes, il y avait un ventilateur. Vas-y, je pense que je vais tourner avec 2 printers pour l'instant. Ce sera assez rentable pour le moment. Putain, parce que si à chaque fois j'en fais péter un, c'est bon, quoi. Tu sais les boutons, toi, dans ce jeu? Franchement, au niveau construction et tout, dans Gmod, moi, je m'y connais pas trop, tu vois. Autant je suis capable de faire une gelotte mobile dans Scrap Mécanique, autant là, je suis pas capable de faire une porte. Ah ouais, pas mal la construction, là. Excellent, c'est bon ça. Par contre, je vais pas tout le temps recharger tous les printers. Hein. Ça me coûte 500 balles, moi, à chaque fois, quand même. Je vais en racheter un troisième. Bon, où ta troisième? Tu l'as, ta troisième? Là, je l'achète, le troisième. Il y a une loterie pour participer, c'est 1000. Merde, j'ai loupé la loterie. J'aurais bien voulu jouer. J'ai gagné au loto, génial, en bas. On va aller le braquer s'il a gagné au loto. Loterie, je participe. Vas-y, c'est bon, ça m'a coûté 1000 balles. Je gagne jamais, moi, en plus, là. Allez, vas-y, que la chance soit avec moi. J'espère que je vais gagner. Putain, c'est pas moi qui a gagné, là, encore, là. Putain, fait chier, ça. Bon, prochaine loterie, moi, je vous annonce, c'est moi qui gagne direct. Ça, je recharge. Ça va, tu t'es mis bien, toi, au niveau de ta petite installation? Ah, désolé. Ah. Bonjour. Ah, désolé, désolé. Bye. Bonjour, désolé. Ouais. Vous voulez des armes, non? Non, je suis venu en paix. Écoute, tu vas rester ici, maintenant. T'es mal tombé. Tu vas rester ici. Ok, allez. Vas-y, je vais fermer la porte. Tu te mets dans le coin là-bas, tu te mets dans le... Bah c'est bon ça, l'otage, on voulait aller chercher l'otage. L'otage, viens à nous. Tu te mets dans le coin là-bas et tu bouges plus là. Comment? Retourne-toi, voilà, bouge plus. On va appeler les flics, on va leur dire qu'on a un otage. Attends, Appelez les policiers. Ouais mais les policiers, qu'est-ce qu'ils foutent les policiers? On va faire mieux que ça. Ah ils sont... Tu n'as pas une arme, allez à bord de ton truc. Mais pose une arme par terre, Ils sont en grève les flics ou quoi là? J'ai pas d'argent moi. Je vais te mettre une balle sur moi, ça fera pas d'argent. Ouais il est chaud le collègue. Surveille-le. Vas-y, t'inquiète. Eh je crois qu'ils sont en grève les flics là. Et ça peut me recruter? Ça dépend comment que tu te comportes. Comment monsieur? Ça dépend. Ça peut me remonter très bien avec vous. Alors si tu peux nous faire drop des armes, on t'achète des armes. Mais pas de bêtises hein. Ok, pas de problème. Pas d'entourloupe, je te préviens. Hein. Il est chargé le piton là. Non, vous inquiétez pas, les gars, on est une famille maintenant. Hein. Je sais pas si vous allez pas me croire, je sais pas moi. Ouais, on est une famille, ouais, c'est ça, ouais. Moi. Comme ça. Va falloir rester plus longtemps que ça pour prouver que t'es de la famille. Le sniper.
15 000 Un sniper, oui, c'est ça. Et non, il est cher ton sniper, hein. Tu vois, et putain, on avait les caméras, j'ai même pas regardé les caméras. Hein. Vas-y, drop le sniper. Comment, monsieur ? Plus vite que ça. Ok. Sinon, on va te faire danser. Merde, je suis coincé. Là, je suis sincère. Vas-y, prends le snipe. Une pas de l'argent, s'il vous plaît, non ? Quel argent ? Il est 200 vu qu'il a fait. On n'a pas d'argent, nous. Attention à ce qu'il fait là, parce que qui touche pas à mes printers, hein. On rigole pas, nous, on est la mafia, mon vieux. Non, t'inquiète. Ah, du coup, maintenant, faut bien guetter les caméras. Putain, je sais pas comment qu'il a réussi à rentrer, lui, là. Y'a rien par là. Ah, y'a des apparts ici aussi, hein. Oh, putain, c'est quoi ici? Ok, d'accord. Vas-y, je vais remonter, je vais aller voir mon collègue. T'inquiète pas, tu vas être bien, on va te faire un nid douillet. Qu'est-ce qu'il te faut encore pour que tu sois bien? Tu veux de la décoration, c'est ça? Il a donné une bouteille de pinard. Voilà, regarde, déjà t'as à boire là. Tiens, on va lui donner ça. Voilà. Même à jouer. Tu te sentiras moins seul comme ça. Comment? Tu te sentiras moins seul avec elle. Regarde, c'est pour toi. Regarde, si tu veux faire du vélo, tranquille. T'as la place de toute façon, t'as la place, hein. À l'aise. Ah ouais, mais en fait, on peut pas. Je sens plus, monsieur. Bah, c'est votre grille qui a bug. C'est pas moi, hein. C'est la grille. Regarde la grille. Mets un coup de pistolet dessus. Un coup de, tu sais, le physique gun. Voilà, c'est bon, là. Moi, c'est la liberté. Ouais, c'est ça, ouais. Liberté, égalité, en grillagé. Putain, ça va, niveau printer et tout, là. On s'est mis bien, là. Ah, faudrait peut-être y élargir un petit peu son champ de. Son espace de vie, tu vois ce que je veux dire. Je suis un gars de confiance, hein, les gars. Ouais. Ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas, nous aussi on est des gars de confiance. Ah, c'est bon. J'ai qu'un même d'avis. Là, t'es pas mal là. Vous faites quoi là, monsieur? On te concocte un nid douillet. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Hey, monsieur, j'ai vu un monsieur rentrer. Allez voir. Elle est sécurisée devant la porte. C'est vrai? Ils étaient armés. Allez, ils étaient armés, j'ai vu. Je l'ai peut-être loupé, c'est possible. Attention, si tu racontes des conneries, je reviens. Je vais aller voir. C'est possible que j'ai pas vu la caméra. Non, y a personne. Y a personne, c'est bon. On se casse de là. Je me casse. Y avait personne en bas. What? Il est passé où l'otage? Je crois que j'ai pris une balle dans la tête. Putain, non, t'es sérieux? Merde. Je l'ai vu sortir. Ah, tu l'as vu sortir? Il est sorti et j'ai pris une balle dans la tête. Il allait prévenir ses collègues, je suis sûr, t'as bien fait. Ouais, par contre, il me manque un printer là. Ouais, il vient d'exploser pour printer. Merde. Un ventilateur. Fais chier. Putain, faut que je rachète encore les ventilateurs. Et ça va me revenir cher à force tout ça. Oh putain, je suis dégoûté. Bah ouais, mes printers ils ont disparu, merde. T'as vu ça? Oh, j'ai aménagé même la salle en face. T'as emménagé la salle en face? Non, mais j'ai aménagé, je veux dire. J'ai aménagé petit coin, t'as vu, j'ai mis des chaises et tout ça, tu vois. T'as vu, j'ai mis quelques chaises. Ah ouais, yes, ok, d'accord. Putain, par contre, c'est serré, hein. Pour passer à deux... Ça, les policiers, s'ils viennent, ils peuvent pas passer, tu vois. C'est vachement serré, hein. Ouais, ah, si, c'est bon. Les policiers, ils peuvent pas passer, tu vois. Ah bah ouais, au moins, ouais. Tu m'étonnes. Eh, par contre, j'ai plus mon arme, moi. Attends, tiens. Ouais, c'était un flingue. C'est cool. C'est un flingue, quand même. Yes, c'est cool, ça. Tu l'as ? Ouais. Impeccable. Yes. Est-ce que je sors comme ça? Là, tu sors comme ça, tu passes pas inaperçu. Oh putain, c'est pas vrai ça! T'as entendu? Ouais, t'as pas mis de ventilateur. Putain, merde! J'ai dépensé 10 000 balles de printer, j'en ai fait péter deux. Bah, trois? Deux ou trois, je sais pas. Putain, merde. Ouais, faut pas oublier les ventilateurs, ils se pètent ces putains de ventilateurs. Ah, fais chier, j'oublie tout le temps les ventilateurs, j'oublie tout le temps à chaque fois. Merde. Attends, je vais aussi te mettre co-leader de la porte. Ouais, vas-y. Je vais me refermer derrière. Regarde, il est recherché par les flics, lui, en face, là. Ouais, ça dépend, hein, tu sais, s'il donne une récompense. Ah, s'il donne la récompense, là, tout de suite, hein. Bah ouais. Alors, on a une Lamborghini à 1 million, 500 000, 100 000. Putain, t'as combien de thunes, toi? Moi, je suis à 19 000. Ah ouais. Ouais, je croyais que t'avais 1 million et tout. Comme ils sont chers, ma gueule. Les Rari et tout ça, putain, ils sont méga chers. 200 000 la voiture. 1 500 000 la Lamborghini Reventon, mon vieux. McLaren, 1 700 000. C'est quoi ces bagnoles de ouf? Eh, on peut acheter une mobilette. T'as 500 000 la mobilette? Putain, la mobilette, comment ce serait trop bien? Ouais, c'est quoi que t'as acheté? C'est genre une petite Twingo là? Ah non, c'est pas moi, toi ça. Ça. T'es monté avec le mec. Qui ça?
C'est pas moi, je sais pas, non, c'est à lui là. À qui? Je sais pas, je le connais pas. Elle est pas mal ta caisse. Bien stylé. Non mais, bah moi j'ai des bugs, je sais pas pourquoi. J'ai un bug d'affichage de caisse. Non putain, et genre il l'a tuné en plus, il a mis un néon en dessous, je sais pas. Moi j'ai un bug, je sais pas pourquoi. Ouais, ça doit être un bug, je sais pas. Elle est chelou sa caisse. Tu vas aller à pied ou quoi? Vas-y, vas-y, si tu veux, ouais. Bah, je crois qu'il y a un mec qui est rentré chez nous, Vas-y, vas-y, on va aller voir, on va aller voir. Mais maman, il devrait pas pouvoir ouvrir. T'as fermé à clé? On fait comment pour fermer à clé? Faut que tu prennes tes clés dans l'inventaire. Ah? Faut que tu prennes tes clés dans l'inventaire. Ah ouais, t'es dans l'ascenseur, t'entends plus rien. En ouais. Total, je suis un... Y'a un mec qui rentre là. Y'a un mec qui rentre, je vais le laisser rentrer. Il est avec le pied de biche, Et je fais quoi? Je fais vente? Je fais quoi? Mettre porte-clé, c'est ça? Non, non, tu... en fait, si tu veux, t'équipes tes clés. Il est rentré, attends, putain, il est rentré. Il est rentré. Vas-y, je vais le laisser, Il est à l'ascenseur, là. Ouais. Ouais, et je fais comment alors? Ouais, bouge pas, jette ton arme.